de frustration. Vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions et au final, c'est un match nul. Merci. Et bonsoir, bonjour à tous. Ya, es difícil aceptar el resultado de un partido como este. Pero el fútbol ya sabemos que es un deporte muchas veces injusto y creo que hemos hecho un muy buen partido. No solo la segunda parte, creo que a lo largo de todo el partido hemos sido mejores que el PSV. El PSV Eindhoven. Pour 90 000. Ce soir encore, vous l'avez dit, contenu satisfaisant, 26 tirs, mais un seul but. Est-ce qu'il y a un manque d'efficacité au PSG? Merci. Creo que es evidente que hemos creado muchas más ocasiones que el rival, que hemos merecido ganar el partido, pero no hemos estado acertados en el remate decisivo. Yo como entrenador le intento exigir a mi equipo que la iniciativa y el juego y lo que generamos tanto en ataque como en defensa sea mejor que el rival y creo que han cumplido con creces. Creo que el resultado justo hubiera sido la victoria, sin ninguna duda, pero el fútbol está caprichoso que empatas y con muy mala suerte puedes hasta perder. Así funciona siempre. Bonsoir, Baptiste Descartes de l'AFP. Est-ce que vous ressentez que le PSG est désormais sous une forte pression en Ligue des Champions après seulement 4 points et 3 journées, alors que d'autres niveaux, eux, n'attendent plus tard. Et avec de grosses affiches à venir aussi en novembre avec l'Atlético et le Bayern Munich. Et le Titi. Il y a le Stuttgart, il y a le Salzburg. Oui, son groupe est le pire groupe. Y hay que estar preparado para mejorar en lo que podamos mejorar y seguir. Pero sí, difícil, preocupado, claro que sí. Bonsoir, coach. Ici, à Vincent de Parisien, vous avez parlé du manque d'efficacité, mais comment justement on peut remédier à ce manque d'efficacité? Quelle solution pour arriver à changer ce problème qui peut perdurer dans la durée? El Paris Saint-Germain es, sin ninguna duda, uno de los equipos de Europa que más ocasiones de gol crea, no solo en su liga, sino también en la Champions, y ese es el trabajo por el que yo valoro a mi equipo. A partir de aquí, es evidente que incluso la fortuna tiene que estar de tu lado para materializar, pero nuestro equipo se caracteriza por hacer muchos goles, muchas ocasiones y muchos goles. Hoy no ha querido entrar y... ya pasó la temporada pasada, pasó hace más años, le pasa a muchos equipos, es algo lógico y normal. Pero, por supuesto que se puede mejorar, ese es nuestro objetivo. Pero no tengo ningún reproche, es más, en el descanso del partido hemos hablado de hay que seguir de la misma manera. Qu'il faut continuer ainsi, toujours de la même manière, créer des occasions pour pouvoir atteindre ce but. Mais malheureusement, nous n'avons créé que... Bonsoir, Gina Diary pour toute la semaine. Le manque d'efficacité est récurrent, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que la présence d'un pur numéro 9 dans l'équipe comme Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani peut régler ce problème? Merci. En tant qu'entraîneur, je fais ce que je considère de meilleur pour mon équipe. Quand je donne des minutes à un joueur, je n'analyse cela au détail, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Et je suis certain que tous les entraîneurs mettent en titulaire les joueurs qu'ils considèrent opportuns. J'aurais remis les mêmes joueurs si on recommençait ce match à nouveau. Il y a une espèce de halo de pessimisme en raison de ces résultats injustes, mais je suis tranquille et mon équipe a été bien meilleure que l'équipe adverse. Bonsoir, Philippe Sanfort, pour RTL. Si on continue de prendre les joueurs peut-être un par un et de parler de Kanginli, c'est la deuxième fois en Ligue des Champions que vous faites le choix de le positionner dans ce poste de numéro 9.
on n'a pas le sentiment que c'est le poste dans lequel il s'épanouit le plus. Est-ce que vous continuez de croire en lui à ce poste-là? Est-ce que c'est la meilleure façon d'exploiter ses qualités? C'est comme ça le foot professionnel. C'est une équipe. On ne peut pas avoir les joueurs qui jouent tous à leur position favorite. Ils doivent s'adapter à ce que l'équipe a besoin. Quand on signe au Paris Saint-Germain, il n'y en a aucun joueur qui va dire « Ah, je joue qu'à ce poste. Moi, je veux que cela. » Et ce n'est pas le cas ici. Je répète, je suis satisfait avec le rendement de mon équipe, leur lutte, leur attitude. On a essayé d'être à la hauteur pour nos supporters et ils ont soutenu jusqu'à la fin. On aurait pu marquer à la dernière minute, mais ce n'a pas été le cas. Christophe Comis, Le Figaro. Est-ce que vous avez revu l'action du pénalty et qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à dire sur tout ce qui concerne la question arbitrale. Je ne me prononce jamais à ce sujet. Bonsoir coach. Bonsoir Fayet, Mercato. Ousmane Dembélé faisait son retour dans le monde en Ligue des Champions, après avoir été mis à l'écart contre Arsenal. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Un peu compliquée au début, du mieux à la fin. Est-ce que vous êtes satisfait du retour de Ousmane dans le monde? J'ai l'habitude de ne pas parler d'un joueur individuellement quand le résultat n'est pas une victoire. J'accepte toute la responsabilité du résultat qui n'est pas une victoire. La responsabilité, je l'accepte volontiers, mais je ne parle pas d'un joueur en particulier quand on ne gagne pas un match. Bonjour, coach Geoffroy pour Radio France. Le PSG est une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions. Peut-être qu'il y a un manque un petit peu d'expérience dans ce groupe, parce que avec les adversaires qui vont arriver, l'Atletico, Manchester City, le Bayern, est-ce que justement ça va être un peu trop tôt pour ce groupe que vous êtes en train de créer cette saison? Merci. Dans ce sens, je pense différemment de vous. Bien entendu que l'âge de notre équipe, de notre effectif est très jeune, mais j'aurais signé contre l'Athletic ou l'Olympique de Marseille, qui est le prochain match dimanche, que mon équipe ait les mêmes occasions de but, qu'elle soit tranchante en attaque comme nous l'avons vu, et c'est ce que je demande à mon équipe. Mais après, le reste ne m'intéresse pas vraiment. Bonsoir coach, vous êtes petit PSG Community. J'ai une question par rapport au corner. Il y a pas mal de corners qui ont été tirés à la Rémoise, à deux. Est-ce que c'est une consigne de votre part ou est-ce que c'est des joueurs eux-mêmes qui ont décidé de tirer de cette manière-là? Merci. J'ai pas compris. Deux pour marquer le corner, c'est ça? Nous l'avons vu que la deuxième mi-temps, il n'y avait pas lors de la première mi-temps. Nous avons décidé de marquer les corners ainsi. C'est le coach qui décide. Et nous avons étudié les situations avec mon staff. On décide comment sont marqués les corners selon la hauteur des joueurs du PSV. Et je pense que nous avons créé des difficultés à l'équipe adverse. Et avec cette situation de passe aux joueurs pour après marquer le corner, nous avons créé des opportunités de but. Et je pense que ça a bien marché. Nous avons marqué beaucoup de corners comme le dernier match. Nous sommes une équipe qui domine l'équipe adverse et ce match n'a pas été une exception. La différence, c'est que nous n'avons pas marqué un match de plus que l'équipe adverse et ça, c'est vraiment dommage. La première question pour Gus. Et après, nous continuons avec l'entraîneur. Félicitations. Uiteindelijk denk ik is het gewoon verdiend, denk ik.
Vous deviez vous battre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Oui, c'est vrai, avec le moment du VAR encore à la fin, c'était pas facile. Et tout le monde s'est donné à fond, mais heureusement, nous avons bien terminé. C'est vrai que vous avez très bonne décompression après ce match nul, ça vous a fait du bien. Oui, surtout que quand vous croyez que vous allez recevoir un pénalty à la fin, et puis à la fin, encore après le pénalty, il y a eu l'occasion avec le coup de poing, donc c'est vrai, on s'est très bien battu. Oui, le moment où vous avez eu la grande occasion que vous avez ratée en deuxième mi-temps, vous allez penser souvent, ah, j'ai entendu finalement que c'était hors jeu, donc ça soulage un peu. Mais un moment comme ça, on ne peut pas expliquer. Et quand tu cours vers le gardien et qu'il y a quelqu'un qui court à côté de toi, tu dois jouer le ballon. J'ai pas vu Marquinhos à côté, mais j'aurais dû finir l'occasion. Je me sous-estime parfois. Je suis plutôt rapide pour un milieu de terrain et je dois plus utiliser cette occasion. Au préalable, tu aurais signé pour un point? Non, ça je n'aurais pas fait. Je viens ici pour gagner. Je suis venu ici pour gagner. Je pense que pour tout le monde, c'est comme ça. Mais si tu vois pendant le match qu'ils ont beaucoup d'occasions et qu'ils ont fait beaucoup d'occasions, tu es content avec le point. Et qu'est-ce que ça fait avec l'équipe vous avez eu beaucoup de joueurs qui ont manqué. Et malgré ça, un match au Paris Saint-Germain et vous prenez un point avec, ça vous fait quoi à l'équipe? Ça veut dire beaucoup sur notre sélection, qu'on peut subir beaucoup, qu'on a une grande dynamique et que beaucoup de joueurs peuvent faire plus qu'ils ne le pensent. Et après, de côté, Tillman qui vient de la défense et qui vient jouer à l'attaque. Mais c'est très bien que vous pouvez tout changer de position sans que ça change quelque chose à votre jeu. C'est vrai que notre milieu terrain a beaucoup de puissance et j'aime ça. Je croyais que tu allais être plus euphorique, plus content. Non, peut-être, oui, à cause peut-être l'occasion que j'ai ratée. Oui, il y a eu de l'euphorie, vous étiez très euphorique dans les vestiaires, je suppose. Oui, bien sûr. Nous voulons continuer, nous voulons prendre les trois points quand c'est possible. Mais pendant le match, on pensait même qu'on allait gagner après la première mi-temps, mais quand on voit que l'adversaire se crée après beaucoup d'occasions, on est content avec un point. C'est un match qui a eu beaucoup de bouleversements, mais quel est finalement ce qui vous reste de ce match? Oui, bien sûr, on est content, c'est ce qui nous reste. Les dernières 10 minutes, c'était vraiment survivre. Si tu mènes 0-1, si tu mènes 0-1 à la mi-temps, il ne reste plus que 45 minutes après. Alors, si tu reçois le but au début de la deuxième mi-temps, ça va être difficile, mais on pensait aussi que si on peut faire le 2-0, ça aurait été très bien. Comment vous sentez après vous? Vous pensez que vous essayez de vous réaliser ce qui s'est passé ou vous faites quoi? Oui, je pense que on ne sait pas très bien comment réagir, mais on a tout donné et avec le penalty, on ne voulait pas aller discuter avec l'arbitre. Beaucoup de joueurs l'ont fait, mais il faut laisser ça se passer. Et ça aurait pu être
du paradis à l'enfer avec l'occasion, avec le penalty. Mais non, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'était, on était entre les deux. Félicitations avec le point. Vous êtes ici sans les supporters. C'est embêtant, ça vous embête que vous ne pouvez pas fêter avec vos supporters. Oui, bien sûr, en principe, vous jouez pour vos supporters et le fait qu'ils ne sont pas là, ça nous pose un problème. Oui. On ne sait pas 100% pourquoi. Pourquoi ils ne sont pas là? Et ça vous influence? Ça vous a influencé que vos supporters ne soient pas là? Non, je pense que nous sommes professionnels et que nous pouvons pas nous mettre ça de côté. Question pour l'entraîneur. C'est pas bien pour ton cœur une soirée comme ça? Oui, moi j'aime ça. Oui, surtout après. Il y a des moments qui n'étaient pas très, très heureux. Oui, les 10 premières minutes. Nous n'avons pas très bien commencé le match. Mais bon, nous savions qu'est-ce que nous avons envers nous. Une équipe avec des très bons joueurs qui sont très rapides. Et nous, on a joué avec une autre formation, d'autres joueurs, surtout le terrain. Et malheureusement, après les 10 dernières minutes, nous sommes venus dans le match, nous avons marqué un très bon but. Et après le but, oui, nous sommes vraiment rentrés dans le match. Nous avons joué aussi le jeu. Parce que si, comme dans la deuxième mi-temps, on subit le match, normalement ça ne termine pas bien, mais il faut être honnête, on a subi en deuxième mi-temps. Le but que vous avez marqué, c'est quelqu'un avec une classe individuelle qui le marque. C'est un cas à part aussi, un joueur comme Malin. Que pensez-vous de ce joueur? Moi, je regarde ce qu'il fait sur le terrain. Je regarde ce qu'il fait sur le terrain. Mais ce qu'il fait en dehors du terrain, ça m'intéresse pas. À la dernière phase, à la fin du match, c'est très, très dense. Et vous avez aimé voir la fin? Oui, moi je ne regarde pas le match comme un supporter, moi je regarde comment je peux aider mon équipe, comment je dois faire des changements ou pas. Nous, à langue, ne pouvait pas continuer, donc je devais le changer. Donc, je dois faire des adaptations et regarder un peu qu'est-ce que l'adversaire va faire, qu'est-ce qu'il va changer. Mais pour être honnête, à la fin, on ne pouvait pas espérer plus qu'un point. Ils nous ont mis la pression et ce que tu essayes, c'est comment aider ton équipe. Tu n'es pas émotionnel. Tu n'es pas émotionné quand tu. Avec la phase du penalty. Comment tu as vu ça? Moi j'ai dit oui, on a regardé sur le moniteur et on a dit qu'il a touché le ballon, donc on fait confiance au VAR. Donc moi ce que j'ai pensé après c'était un coup de coin après le penalty. Donc il fallait se concentrer après ça parce qu'on a sorti le ballon sur la ligne. On essaye de rester calme et dire à mes gars qu'il faut se concentrer, on continue, il y a le corner. Mais bon, à ce moment, vous avez fait confiance au VAR. Oui, je leur fais toujours confiance. Donc, le joueur, le défenseur a dit que je n'ai pas vu l'attaquant, donc j'ai été pour le ballon. Als dat hij er overheen getrokken is, als
euforie. Nee, maar hij is er overheen getrokken, laat me eerlijk zijn. Het is wat afgezocht geworden. In de rust zijn we er al voor. Overal waar wij naartoe gaan, gaan we om te winnen. Als je op niet kan winnen, dan moet je tegen die verliezen. Ça, on va pas continuer là-dessus, mais surtout sur le match, si on ne peut pas, si on ne peut pas gagner le match, il ne faut ne pas perdre. C'était fou les dernières 10 minutes. Et vous avez dit que vous avez demandé à vos joueurs de se concentrer jusqu'à la fin. Et ça marche de leur faire. De leur passer ce message. Oui, c'est vrai que c'était difficile. Mais heureusement, il y a eu le moment du VAR et on a eu un moment que j'ai pu parler à mes joueurs, que j'ai pu les aider à se concentrer. Et ça c'est des phases que nous ne sommes pas habitués d'avoir dans nos matchs, dans notre compétition, parce que c'est souvent nous qui sommes dans la surface de l'adversaire et pas le contraire. Mais ce que j'espère, c'est aider les joueurs à se concentrer, à se reprendre. Et voilà, ils ont fait un super travail aujourd'hui et je suis très fier d'eux. Et malgré tous les changements qu'on a eu, et Noah Lang qui a joué son deuxième match cette année, donc je suis très fier d'eux. Et vous venez jouer ici au Paris Saint-Germain et vous voyez qu'on joue contre une superbe équipe, comme on l'avait dit à l'avance, donc on peut être très fier de partir avec un point d'ici. Vous êtes content de ce match et comment vous allez réagir après ce week-end? Oui, mais l'euphorie, on verra ça demain. Je ne sais pas comment les gens vont réagir là-dessus. Mais profiter, non, on ne le fait pas quand on est sur le banc. Enfin, en voyant les joueurs de Paris, c'est une qualité. Vous voyez que votre gardien a fait des grands arrêts et il était très malheureux après ce but concédé. Oui, c'est vrai qu'il a été très mal, il était très malheureux. Oui, c'est un gagnant et c'est vrai que les moments durs, les moments négatifs, te restent plus dans la mémoire. Quand as-tu décidé que tu vas mettre Tillman à cette position? Oui, hier soir. Nous avons parlé de Paris hier soir avec l'équipe. Je leur ai parlé. Je suis resté avec Luc. Et nous avons un peu discuté comment nous voulions entamer ce match. Donc, nous avons discuté comment le plan que nous avions pour ce match. Et vous avez vu comment était sa prestation. Il était super. Il a joué un peu de position. Il a joué un peu de position aujourd'hui. C'est vrai que quand tu joues au milieu de terrain, c'est très différent. Mais il a joué dans une très grande intensité. Et c'est très difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? À mon avis, non, il peut, je ne sais pas. Dans la Ligue des Champions précédente, vous aviez une vision de la compétition et maintenant vous voyez comment la compétition. Je ne sais pas comment je vois ça. Si vous voyez le début, vous avez Juventus, Sporting Lisbonne, et puis un match en déplacement au Paris Saint-Germain, c'est dur de faire le constat. Moi, ce que je veux faire, c'est voir comment on joue au football. Et contre la Juventus, c'était pas bien. Contre le Sporting, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'était bien, c'était suffisant. Malgré nos manquements, nous avons bien fait un bon match, mais nous devons encore gagner des points. Et il faut que ça soit assez pour être dans les 24 meilleures équipes.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui c'était une bonne prestation pour la Ligue des Champions? Mais je pense que contre le Sporting, nous avons très bien joué. Nous avons mieux joué contre le Sporting. Ici, j'ai aimé comment nous nous sommes battus pour les points, mais le match contre le Sporting était mieux. Matteo Dams, c'est sa troisième titularisation. Il était impressionnant. Si vous voyez d'où il a commencé, suspendu contre AZ Alkmaar, je l'ai mis, je l'ai positionné contre le côté le plus dangereux, du côté de Hakimi, Dembélé. Nous avons analysé tout ça et ça met beaucoup d'équipes en difficulté. Et si tu es si jeune et tu fais le travail comme il l'a fait, c'est super. Qu'est-ce que tu conclus de ce match? Je pense qu'à ce niveau, nous pouvons jouer sans avoir des grandes idées. Mais voilà, si dans d'autres occasions, dans d'autres matchs, tu peux perdre ce match à la mi-temps 3-1. Mais je pense que c'était bien pour les gars de voir l'intensité qu'une grande équipe peut mettre sur le terrain pendant 90 minutes. Et ça, c'était bien, ça nous a fait du bien en tant qu'équipe pour cette expérience, d'avoir eu cette expérience. Et ça va être bien pour continuer dans la compétition. Et voilà, on a vu ça avec le mauvais début contre Arsenal. Et je vois que nous progressons. Sincèrement, coach, si vous êtes tout seul dans une pièce avec moi, sans caméra, sans journaliste, si je vous dis, est-ce que le Paris Saint-Germain méritait de gagner ce soir vu l'intensité et le nombre d'occasions, vous répondez quoi? On n'est pas sans les caméras, sans les autres journalistes. Ils sont là. Et là, j'ai dit, oui, normalement, on perd. Normalement. Russe, le joueur qui était à côté de moi, m'a dit la situation avec lui, c'était hors jeu de Luc. Donc, mais vraiment, ça c'est une possibilité aussi. J'ai vu des matchs où pas la meilleure équipe gagne et ça c'est possible aussi. Je pense que les premières 10 minutes, on a raté notre match. Mais après, on a bien joué le premier mi-temps. On a essayé de jouer et c'est pas possible. Ça manque 4-5 joueurs titulaires. Tu vas jouer à Paris, c'est pas évident, tu prends un résultat là-bas. Et on a fait, et le premier mi-temps on a mérité, le deuxième mi-temps on n'arrive pas de jouer. On a perdu le ballon trop vite, donc ok, si les caméras sont pas là, peut-être que vous avez joué. Très bon conseil. Okay.